Bonjour et bienvenue sur Carnet de route. Je suis toujours dans cet endroit magique, l'Italie. J'ai rencontré pas mal d'Italiens ici et ils sont tous très fiers de dire qu'ils sont Milanais, Romains ou Siciliens avant d'être Italiens. La diversité de ce pays est surprenante. J'ai donc décidé d'en faire le tour complet du nord jusqu'au sud, jusqu'en Sicile. Le voyage commence tout juste. Suivez-moi. Situé au pied des Alpes, Turin jouait le rôle stratégique de poste avancé pour garder les frontières nord de l'Empire romain il y a 2500 ans. La ville a prospéré au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle comme centre du royaume de Savoie et capitale de l'art baroque. Au cœur de la ville, dominant tout Turin, l'extravagant et célèbre Palazzo Reale, le Palais Royal, riche résidence de la famille des Savoie. Cette famille royale voit le jour au XIe siècle et règne sur la région jusqu'à la concéder à l'Italie unifiée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En déambulant dans les 350 salles décorées avec faste, une pièce en particulier a retenu mon attention. Les échanges culturels se faisaient bien avant notre siècle, apparemment. La curiosité pour les terres inconnues a existé de tout temps et poussé à entreprendre de longs voyages. Mais observez ces souvenirs d'une expédition en Chine. C'est bien loin de l'original. C'est quand même assez surprenant pour moi. C'est amusant. Même sous le régime royal, Turin a toujours bénéficié d'un système politique parlementaire hérité de la tradition romaine. Le ministre de la Culture de Turin, qui a aussi initié le programme culturel des Olympiades de 2006, a eu la gentillesse de me faire visiter son lieu de travail. La città, là, c'è il posto dell'assessore alla cultura, cioè il mio posto. Qui ci sono 40 consiglieri comunali e qui ci ritroviamo tutti i lunedì per governare questa città. Dove si siete? E io mi siedo qui, questo è il posto dell'assessore alla cultura. Importantissimo. What advice you can give us? Allora, le prossime Olimpiadi saranno a Pechino, saranno in Cina fra 2 anni e noi siamo molto contenti di passare, diciamo, la fiamma olimpica a Pechino, agli amici cinesi, e quindi non possiamo che augurare che anche a Pechino le Olimpiadi, siamo sicuri, siano un grandissimo successo, e pertanto auguri Pechino. Le Turin de nos jours est une vibrante métropole au visage multiple, dont la réussite aux Jeux d'hiver de 2006 a renforcé l'énergie. Ici, le credo semble être plus haut, plus vite, plus fort. Le programme culturel d'un an organisé pour l'année des Jeux était un important challenge pour la ville de Turin, d'un point de vue artistique. Grâce à ce programme, des créations tout à fait originales et contemporaines ont pu voir le jour et être présentées à un large public. La relation entre l'art, la ville et ses habitants a été renouvelée et renforcée. Je me demande si c'est la raison de l'incroyable vitalité de cette ville, toujours en mouvement.
Le musée national du cinéma se trouve à l'intérieur du Mole Antonelliana, monument historique symbole de la ville. Turin se décrit elle-même comme la capitale du 7e art, du moins en Italie. Et quand on vient ici, on comprend pourquoi. C'est une manière originale de regarder un film. Unique en Italie et considéré comme un des plus importants dans le monde, ce musée présente avec beaucoup de goût et de fantaisie une collection exceptionnelle. Le Mole Antonelliana est une construction de la fin du 19e siècle. Il a été réinvesti en musée en 2000 par l'architecte français François Confino. Le cadre en lui-même est à couper le souffle et le visiteur passera de l'amusement à l'émerveillement au gré de ses petites salles à thème. Parmi toutes ces merveilles, ma préférée, c'est comme toujours la plus imaginative. Le musée nous promène dans des siècles d'images animées, à commençant par les poupées d'ombre chinoises. Chaque détail de l'histoire du cinéma est traité de manière originale et nous rappelle que le cinéma fait partie d'un patrimoine culturel collectif. Flâner dans ce musée, c'est comme faire un voyage à travers le temps et les lieux de mémoire. Pour un réalisateur de films ou pour les amoureux du cinéma, c'est un voyage exaltant. Nourri de sa riche histoire et toujours curieux des nouveautés concernant l'art dramatique, le théâtre turinois a réussi à attirer l'attention du monde entier. Walter Le Moly y est sûrement pour quelque chose. Il est devenu une figure emblématique dans le développement artistique de Turin. Walter Le Moly est directeur du théâtre Stabile de Turin et metteur en scène. Il a participé activement à l'épanouissement et au renouveau du dynamisme artistique de la ville. Pour lui, l'art n'est pas seulement un moyen d'expression, il est aussi une force dans le développement humain et social. I don't want to tell the audience whether this or that is right or what is going to happen on the stage. This or that is what you should feel. Questo non c'è dinamica, non c'è dialettica, non c'è entropia. Cosa mi As a director, what interests me most is to create a dialogue between the audience and the public. Goethe a dit « Ceux qui n'ont jamais foulé le sol de la Sicile n'ont jamais vu l'Italie ». Les touristes qui hésitent à quitter la péninsule pour s'envoler vers la Sicile devraient prendre ce conseil pour acquis. Baignée par trois mers, à la croisée de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, située entre l'Afrique et l'Europe, avec à l'Ouest l'Empire romain, à l'Est l'Empire byzantin, la Sicile est un véritable melting pot de civilisations, une terre où se superposent une multitude de vestiges de l'histoire. Les Grecs, les Carthaginois, les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Normands, les Français et les Espagnols, une douzaine de civilisations est passée ici, laissant en contribution d'admirables traces de son passage. Thank you.
Parmi tous les vestiges archéologiques de Sicile, celui-ci est sans doute le plus ancien. D'après la légende grecque, c'est ici qu'a eu lieu la célèbre lutte entre Ulysse et le cyclope Polyphème. La Sicile est plus qu'une île. Vous y découvrirez une terre d'une incroyable variété. Des montagnes à vous couper le souffle, des volcans en éruption, des plages d'un blanc éblouissant, des temples antiques, des villes mortes et des stations balnéaires élégantes. Quels que soient vos goûts, vous trouverez là votre bonheur. Située sur la côte est de la Sicile, Catania est depuis l'Antiquité le port le plus développé de la Sicile. De nos jours, Catania est aussi la plus grande ville de Sicile, derrière sa capitale, Palerme. Dans un endroit bruyant, grouillant de monde comme celui-ci, il me faudrait quelque chose comme ça pour me déplacer. Catania est à quelques kilomètres de l'Etna. Elle sert donc d'étape pour les touristes en visite du plus célèbre volcan européen. Culminant à 3342 mètres, l'Etna est le plus haut et le plus large volcan en activité d'Europe. La lave qui s'est échappée du volcan a façonné une grande partie de l'est de la Sicile. Et les colères de l'Etna ont détruit bien des villages et des villes au cours de l'histoire. Pourtant, il attire aussi des touristes du monde entier qui font vivre la ville de Catania. Ébranlée par les coulées de lave et les tremblements de terre à répétition, Catania était presque une ville morte à la fin du XVIIe siècle. Elle a été complètement reconstruite dans le style baroque et néoclassique au XVIIIe siècle. Le plus vieux bâtiment qui a survécu est le Duomo, la cathédrale, construite en 1092. Elle abrite les caveaux de plusieurs membres de la famille royale. La mythologie et le folklore grec ont sans conteste laissé un très riche héritage à la Sicile. Il n'y a pas de meilleur endroit pour s'en rendre compte que dans la ville d'Agrigente. Agrigente, alors appelée Akragas, a été fondée par les Grecs en 500 avant Jésus-Christ. Le poète Pindare l'a décrite comme la plus belle ville des mortels. Le tyran Théron, issu d'Agrigente, a couronné sa carrière d'une victoire à la course de chars pendant les Jeux Olympiques en 476 avant Jésus-Christ. C'est surprenant de voir que l'art de fabriquer des chars siciliens est toujours vivant, 2000 ans après.
Bien sûr, de nos jours, le char est plus considéré comme un héritage local qu'un véhicule de course. L'art de peindre les chars est unique en Sicile. On y fait le récit de faits historiques dans le style coloré sicilien. Toute la production est faite à la main, si bien qu'il faut plusieurs mois pour finir un char comme celui-ci. So, this has been a long tradition within the family. E questa è una e io voglio portarla avanti per continuare la tradizione di mio padre. Con me siamo la seconda generazione, purtroppo però lui è venuto a mancare, ma io voglio continuare la sua opera che ha iniziato. Questi sono alcuni lavori fatti da mio padre. Oh, your dad, your teacher, va? Je me demande si Marco Polo lui aussi avait trouvé des similitudes entre son pays et la Chine, le pays doré comme il l'appelait. On retrouve cette même fierté concernant l'histoire et la culture, avec une profonde responsabilité envers sa famille et l'importance des liens de sang. Ce qui m'a le plus frappé, c'est cette phrase que l'on retrouve dans les deux pays, « tel père, tel fils », et qui a un sens particulier en Italie, surtout en Sicile. Un travail est conçu comme une manière de faire perdurer l'héritage et la tradition, plus qu'un simple gagne-pain. Le jardin Colimbetta était au temps de Théron un jardin privé avec un lac artificiel où nageaient les poissons. De nos jours, ce sont des volontaires passionnés qui en prennent soin pour une association sans but lucratif. Angela ne considère pas cela comme un travail, mais comme un plaisir de s'occuper de ce qu'elle appelle le jardin magique de l'histoire. Les oranges et les citrons ont été introduits en Sicile par les Arabes. Mais apparemment, il y a eu aussi d'autres donateurs venus de pays lointains. This tree, for example, for us it's a very important tree. This kind of fruit that we call it chinotto, and it's coming from China. I don't know about that. Yeah. It's chinotto. It's like a mandarin, but it's bitter. It's not sweet. L'air de la campagne en Sicile, en particulier près de la mer, est revigorant. Et avec une poignée de quelques agrumes, la vie est belle. So it's Jabez Arabic word. Arab system of irrigation. The water is coming from the aqueduct. These channels were excavated by Carthaginian people who were slaves of Greece in the 5th century before Christ. They took the water from springs. And when it rained, they collect it, and they used to bring it just here. We have visitors who visit these channels, and they went inside them, and they visit 17 kilometers of 17 kilometers. 17 kilometers of these channels, and inside the mountains. Yes, and they're going to exactly going to the city. Oh wow, that's a miracle. It's a little underwater world. Yes, exactly. Exactly. Look at here. It's very nice because there is possible to see all the Macchi, the Mediterranean Macchi there, and the temple of the Oscuri, Castro e Polluce, and the oranges, and the temple. Do you see it? Cannido nella vita, ringrazia la notte.
J'adore voyager. Là, on va prendre l'avion pour la Sardaigne. Ça promet d'être très beau. En général, on ne visite pas les deux plus grandes îles d'Italie au cours d'un même voyage. Mais si vous le faites, comme moi, vous serez surpris de voir combien elles sont différentes. La nature crée des paysages si variés et d'une si grande beauté en Sardaigne. Mais l'endroit le plus important et le plus célèbre à travers le monde, c'est ici, la plage. Cette route est assez mauvaise. J'espère que ça vaut le coup. La réserve naturelle où nous allons abrite les derniers chevaux sauvages d'Europe. On ne peut les voir nulle part ailleurs. Mais, bien sûr, rien ne nous dit que nous pourrons les voir. Je croise les doigts. Vous les voyez? Ils sentent qu'on ne leur veut pas de mal. Je voudrais bien voir jusqu'à quel point ils m'autorisent à les approcher. Peut-être même les toucher. C'est mon jour de chance. Dans un endroit tel que celui-ci, vous vous sentez entouré par l'énergie de la nature. Regardez ça. Les paysages incroyables et l'hospitalité des gens ici, et aussi l'authenticité de la tradition fait de la Sardaigne une destination de rêve à ne pas manquer. Les Sardes sont bien connus pour leur sens spontané de l'hospitalité, et aussi pour les bons plats qu'ils cuisinent selon la tradition pastorale. Où que vous alliez en Italie, tout ce qui concerne la nourriture doit être grande. Mais en Sardaigne, c'est encore plus vivant, coloré et musical. Les costumes traditionnels de danse en Sardaigne. Oh, ils sont là. Non loin de la ville de Cagliari, l'étang de Molin Tarjus couvre près de 1000 ares. Il était à l'origine un marais salant. L'exploitation de l'étang pour son sel remonte à près de 1000 ans. Mais de nos jours, c'est plutôt pour ses hôtes que l'on vient le visiter. Ne les dérangeons pas. Vous savez, les flamants rouges sont des oiseaux migrateurs qui ne faisaient que passer par la Sardaigne. Mais ils ont décidé d'y rester il y a une quinzaine d'années. Je pense
que c'est la même chose pour vous et moi. C'est difficile de quitter l'Italie. Croyez-moi, l'Italie est inoubliable. Les carnets de route spécial Italie. À la prochaine. Ciao.